Du moment que vous avez assez d'or pour manger, c'est le principal, non? Affinez attention avec un jeu très futé. Ça pourrait être beaucoup mieux que ça. Vous avez gros à apprendre, moineau. Juste la bonne dose de mousse. Voilà une pinte parfaitement bien remplie. Le col de celle-ci est parfait. Le col de mousse ne va pas. Jolie pinte. Cette pinte a l'air délicieuse. Un remplissage parfait. Regardez-moi cette mousse. Jolie. Juste la bonne dose de mousse. Le col de celle-ci est parfait. Jolie pinte. Un remplissage parfait. Le col de celle-ci est parfait. Voilà une pinte parfaitement bien remplie. Juste la bonne dose de mousse. Regardez-moi cette mousse. Jolie. Tentez votre chance. Juste la bonne dose de mousse. Voilà une pinte parfaitement bien remplie. Le col de celle-ci est parfait. Le col de celle-ci est parfait. Cette pinte a l'air délicieuse. Un remplissage parfait. Cette pinte a l'air délicieuse. Regardez-moi cette mousse. Jolie. Va falloir payer pour ça. Un remplissage parfait. Il n'y a pas mieux que la clé de voûte. Voilà une pinte parfaitement bien remplie. Juste la bonne dose de mousse. On jouera tout à l'heure. Jolie pinte. Voilà une pinte parfaitement bien remplie.
le moineau. Regardez-moi cette mousse. Jolie. Un remplissage parfait. Voilà une pinte parfaitement bien remplie. Ah, j'espérais ton retour. Le temple a de nouveau besoin d'une protection. Nous avons toujours souffert aux mains des adorateurs du Temple des Ombres. Mais je crains qu'ils ne préparent une véritable attaque contre nous. Il semble que les adorateurs de l'Ombre prévoient d'empoisonner l'eau bénite de la grotte de la Source. Si cela arrive, le chêne doré mourra. Cela signifierait la fin de notre ordre, et peut-être même du village et de tous ses habitants. Tu nous as déjà aidés. Veux-tu le faire à nouveau ? La lumière nous éclaire encore de ton aide. Merci. Tout d'abord, tu dois vérifier les statues desquelles l'eau s'écoule. Veille à ce qu'elle n'ait pas été contaminée par le mal. Les adorateurs de l'ombre risquent de viser la salle principale ensuite, mais ne les laisse pas la profaner. Comment avez-vous fait pour livrer autant de batailles sans plus de cicatrices ? Toute la vie doit disparaître. Toute la lumière doit s'éteindre. Ce qui vous barre la route. Les adorateurs de l'ombre sont sous notre protection. Ce qui veut dire que t'es mort. Les ténèbres
englouteront tout sur le passage. Doit disparaître. Toute la lumière doit s'éteindre. Des orgies éternelles. Ravagez ce qui vous barre la route et pervertissez tout ce qui vous... Tu es là ! Tu veux réessayer ? Les ténèbres engloutiront tous... Vous pensez pouvoir m'arrêter ? Je concentre les énergies naturelles en provenance de la source de la lumière pour nourrir mes pouvoirs impies. Rien ni personne ne peut m'atteindre. Abattez-la !
Ce n'étaient que de simples mortels, charmés par les promesses et l'or. À présent, découvrez le vrai pouvoir des ombres. Venez. La plus ancienne de soi. La lumière est puissante, mais sa corruption est encore davantage. Véritable racine du mal, la plus ancienne qui soit. Je suis devenu ombre. Je suis votre dieu. Je suis le messager des ténèbres. Le temple des ombres ne s'en remettra jamais. Nous sommes sauvés. Tu es une sainte, envoyée par la lumière même. Merci encore. Le meilleur champ de tir d'Albion. Ne cherchez plus. T'as l'air de savoir manier les armes à feu. Ça te dit de tenter ta chance sur le champ de tir? Parfait. Les règles sont simples. Touche autant de cibles que possible. Sur les bandits. Ça te coûterait des points. Mais tu n'es pas une tueuse de bandits, n'est-ce pas? C'est ces crétins de villageois qu'il faut viser. Tu vas voir, il n'y a rien de plus facile. Les bandits. Tu
Tu veux tuer tes frangins? Ce sont tes frangins, non? Essaye donc avec les yeux ouverts cette fois-ci. Stop, arrête. Tu te ridiculises, là. Et en plus, c'était la manche la plus facile. T'as besoin d'un sacré entraînement. T'as l'air de savoir manier les armes à feu. Ça y est, tu t'en vas? Et voilà. Tu es prête à embrasser une glorieuse carrière militaire? J'espère que tu n'as rien laissé sur le feu. Eh bien, je suis venue pour vous dire au revoir. Tu sais ce que j'ai dit à mon père avant d'aller dans la grotte du rituel? Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas si je lui ai dit au revoir ce matin-là ou pas. Ce qu'il y a de drôle avec les adieux, c'est qu'on ne sait jamais si on se reverra. Désolée, je voulais pas... C'est pas ce que je voulais dire. Je suis sûre que tout ira bien. Bon, pas d'effet personnel à bord, pas d'armes non plus, et surtout pas de chien. Ça va. Je m'occuperai bien du sac à puce, et je garderai aussi tes affaires. Regardez-moi ça. On a sacrément bien fait de s'allier au Seigneur Lucien. Quoi qu'il prépare, Lille et moi, on est unis pour la vie. On avance. Je suis avec ma Lille depuis 13 ans, et je lui ai toujours été fidèle. Allons-y! Si vous la voyez, vous comprendriez. Au fait, moi, c'est Bob. C'est quoi ce bruit?
Non seulement je l'entends, mais je le sens. Cet endroit ne me dit rien qui vaille. Quelle peut être la hauteur de cette chose ? C'est quoi cet endroit ? J'ai passé 6 ans comme apprenti maçon, et j'ai jamais vu un bâtiment pareil. Comment est-ce possible ? Ça date de l'ancien royaume, on dirait. Mais pourquoi ça revient maintenant ? La ferme ! Le monde derrière ces merveilleux murs est corrompu et totalement pourri. La raison n'est plus. En guise d'ordre, il n'y a que le chaos. Le chaos ne punit pas le mal et ne récompense pas non plus le bien. Le chaos écourte la vie d'innocents et nous devons nous résigner à l'accepter. Je le refuse catégoriquement. Vous êtes au cœur d'un fantastique instrument de changement. Grâce à lui, je referai le monde. Ma création sera d'une perfection absolue. Mais ma volonté seule ne suffit pas pour cette tâche monumentale. C'est uniquement grâce à votre labeur, grâce à votre travail et grâce à votre détermination qu'Albion sera transformé. N'ayez pas peur des sons ou des vibrations sous vos pieds. Ces sensations seront bientôt aussi familières que vos battements de cœur. Et aussi longtemps que vos cœurs continueront de battre, je vous demande une seule chose, m'obéir. Maintenant, dormez. Bonjour, sale larve. Bienvenue à la flèche. J'espère qu'elle te plaît, car tu n'en sortiras jamais. Tu es dans la caserne. C'est ici que tu mangeras et que tu dormiras. Le reste du temps, tu bosseras, là où le commandant te le dira. Ton boulot, c'est de veiller à ce que ces rebuts travaillent, et de faire tout ce que t'ordonnera le commandant sans poser la moindre question. Quand tu recevras un ordre, tu devras obéir immédiatement. Ce qui m'amène à parler du nouveau bijou que tu portes autour du cou. Ce collier fait partie du programme d'obéissance du Seigneur Lucien. Enfin bon, le commandant t'expliquera tout ça. Conclusion, fais ce qu'on te dit. Et n'essaie pas d'enlever ton collier, c'est impossible. Et si tu essaies, c'est la mort assurée. Et pas du genre rapide et sans douleur. Crois-moi. Maintenant, au rapport chez le commandant. C'est vous ? On est arrivés ensemble, vous vous souvenez ? Comment ça se passe ? Quand je pense qu'ils m'ont mis de garde, dès le premier jour, j'ai dû faire une bonne impression. Un jour, je sortirai de là, et vous crèverez, vous m'entendez ? Si Lille me voyait, elle a toujours eu un faible pour les gars en uniforme. En revanche, je suis sûr que le masque lui plairait pas. Il est très intimidant. Ah, ça oui, mais on peut pas respirer là-dedans. Totalement inutile tant que tu es ici. Sois patiente. Seul
dans sa cellule. Ceci dit, il ne me pose aucun problème. Pas vrai ? Il est toujours très calme. En tout cas, j'ai hâte d'écrire à Lille et tout lui raconter. Peut-être demain. Je suis le commandant. Vous êtes la recrue 273. Ce nombre n'est pas dû au hasard. Il vous a été donné car j'ai déjà dû briser 272 recrues avant vous. Vous n'êtes rien d'autre qu'un simple maillon de la chaîne. On vous a amené ici pour superviser la reconstruction de la flèche brisée, ainsi que pour servir le Seigneur Lucien. Ma mission consiste à m'assurer de l'obéissance de gardes comme vous. Vous ferez tout ce que je vous demanderai, sans poser de questions. Si jamais vous désobéissez, l'appareil situé autour de votre cou s'activera. Cela n'aura rien d'agréable. Vous perdrez toute volonté. Vos souvenirs et votre expérience seront effacés. On continuera jusqu'à ce que vous obéissiez. Vous pensez peut-être que vous pouvez résister. Certains le pensent. Ils font l'erreur de croire qu'il en va de leur honneur. Décidez-vous. Votre honneur est-il vraiment si important pour vous? Ne bougez pas. Bien. Bon, regardez par là. Voyons voir si vous avez bien compris. Je vais vous frapper et vous allez me remercier. Parce que je l'ordonne. Allez, remerciez-moi. Obéissez. Remerciez-moi de vos douleurs. Obéissez. Obéis. Fais tout ce qu'on te dit. J'ai dit remercie-moi. Encore une fois, remerciez-moi. Obéissez. Excellent. Allez, suppliez-moi. Demandez-moi de vous épargner. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Bien, vous apprenez vite. Ce sera tout. Le commandant m'a fait torturer une recrue ce matin. Ce pauvre gars s'était plaint que sa famille lui manquait. Heureusement que je n'ai pas de famille. Je viens d'avoir un drôle de... C'est peut-être le collier. Difficile de réfléchir parfois avec ce bruit. En fait, je n'y fais presque plus attention. C'est devenu une sorte d'habitude. Tu as ordre de faire ton rapport à la caserne! J'y vais, chef. Recrue 273, au rapport au centre de détention. J'ai déjà demandé ce que Lucien allait faire de ces pauvres bougres.
Sois patiente. Le temps importe peu ici. Ah, donnez-nous à manger. Allez ! La ferme ! Ah, te voilà. Reste ici et garde ces abrutis jusqu'à mon retour. Ils n'ont pas le droit de manger, alors touche pas aux commandes, ou tu le regretteras. Je vais aller casser la croûte, vite fait. C'est vraiment bon. Je me régale. J'arrive même plus à m'en souvenir. Je vous en prie. Par pitié. Pourquoi vous nous aidez pas? Je veux pas mourir ici. Obéis. Tu dois impérativement refuser la nourriture. Aidez-nous, ne laissez pas mourir. Aidez-nous. Obéis. Tu dois impérativement refuser la nourriture. Aidez-moi, ou je vais mourir. Je vous en prie, par pitié. Pourquoi vous faites ça? Je vous en prie, par pitié. Faites quelque chose. À l'aide. On n'a rien à manger. Obéis. Ils ne recevront aucune nourriture. Vous allez me tuer. On va mourir si on mange pas. Commandant voudrait te voir. Le commandant a raison de le garder en cage. Il est dangereux. Vraiment. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais là-dedans, taré? Je vais vous faire obéir. Je crois que vous vous connaissez tous les deux. Garde 268, je vous ordonne de vous taire. Mon travail, ma peine 268. Et mes convictions contribueront à la transformation d'Albion. On peut forcer les récalcitrants à obéir. Le nouveau monde sera méconnaissable tant il sera parfait. Prenez cette épée. Tout ce que je dois faire, c'est obéir. Allez, tuez-le. Non, j'obéirai. Je travaillerai plus dur. Obéis. Cet homme doit mourir. Est irrécupérable. Je vous sauverai. 10 secondes. Ah, c'est une punition que vous cherchez. Obéis. Cet homme doit mourir.
Tout le monde a ses limites. Et je trouverai. Obéis, je t'ordonne de mettre un terme à cette triste vie. Très bien. Les tâches pénibles paraissent sans fin. Une éternité s'écoula dans la flèche. Chaque jour, les grands murs noirs s'élevaient, assombrissant chaque nouvelle aube et noircissant chaque action ayant lieu dans ces murs. Au fil des ans, la tâche semblait de moins en moins réalisable. Lucien demeurait derrière la lumière blanche. Garth restait caché et d'autres, tels le commandant, apparaissaient, tous aussi puissants que Lucien. Petit à petit, toute idée de liberté ou du monde extérieur s'évanouit. Officier 273, au rapport chez le commandant. La construction de l'étage supérieur commence demain. L'homme qui garde le site est attendu pour son rapport. Découvrez ce qui s'est passé. Prenez cela comme une chance de vous racheter. Si vous trouvez l'homme qui a abandonné son poste, escortez-le jusqu'à la salle de torture et attendez les ordres. N'y arrivera pas avec ce collier. Là, te voilà libre. J'ai utilisé toute ma volonté pour détruire nos colliers, mais ce garde, je n'ai plus rien en stock. Donc pour la suite, c'est à toi de jouer.
Le seul moyen de sortir de la flèche, c'est par la salle du commandant. Alors prépare-toi. On va y aller. Mais que... C'est l'enchanteur! Et il ne porte pas de collier! Chopez-le! Continue comme ça! Ce sont les ennemis de la liberté! Thank you.
laisser ses armes. C'est moi qui te tue. Supplémentaire. Un groupe de nouvelles recrues est en chemin. Regarde! Il faut qu'on trouve le commandant. Vous, j'aurais dû me douter que vous me trahiriez. Le seigneur Lucien va me tuer si je désobéis à ses ordres. Mais je suis obéissant, alors je vais vous éliminer avant qu'il s'en charge lui-même. Allez, venez. Vous ne pouvez pas prendre la flèche. De me protéger. Ça nous aidera à atteindre les docks. Allons-y!